les Arméniens, Tiffany Hayden et Vazgen Azroyan. 23e donc après les deux danses imposées et la danse de création. La danse est sans doute la spécialité du patinage qui nous réserve le meilleur spectacle d'un début, du début de la compétition jusqu'à la fin, d'un bout à l'autre de la compétition.
Et là, malheureusement, on a l'impression que Tiffany Hayden, d'un seul coup, a eu comme un trou de mémoire, c'est-à-dire qu'elle ne se rappelait plus de sa partition ou de son texte, et faisait absolument n'importe quoi. Ça a été quand même très très frappant pendant une vingtaine de secondes. Et ensuite, eh bien, Vazgen Azroyan, le partenaire, ramait un petit peu pour ramener sa partenaire dans le bon tempo. Le programme lui-même, la construction n'était déjà pas très très riche, mais on a eu l'impression que ce soir, quelque chose qui n'a pas bien bien fonctionné dans ce couple. Enfin, ça a été très très long et très poussif. Des attitudes un petit peu trop convenues, enfin bon, il n'y était pas, quoi. Non, j'ai l'impression qu'effectivement, Tiffany s'est perdue dans quelques dunes du désert, puisqu'il s'agissait d'un programme à thème très explicitement moyen-oriental. Qui manquait d'épices et de parfums. Les sables étaient mouvants pour ce couple. Classement et les notes pour l'instant, donc très très peu d'importance. 3e ou 2e place, peu importe, de toute façon ils termineront 21, 22e ou 23e, voire 24e.